Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, aujourd'hui on va analyser un peu le procès des massacres du 28 septembre 2009. Mais tout d'abord, on va commencer par cette demande faite par l'avocat du docteur Chérif Diaby au président du tribunal. Docteur Chérif Diaby, pour les gens qui ne savent pas, il était le ministre de la Santé au temps du CNDD et aussi au moment des massacres du 28 septembre 2009. Dr. Chérif Diaby est accusé de beaucoup d'infractions, mais surtout la disparition du corps, car selon beaucoup de témoignages, il est imprégné de toutes les informations concernant là où se trouvent les corps disparus. Mais la demande que l'avocat va faire au président du tribunal, c'est concernant le témoin Youssouf Joly Touré. Comme vous le savez, depuis la semaine dernière, c'est Youssouf Joly Touré qui passe à la barre pour apporter sa part de vérité dans les événements du 28 septembre 2009. Pour les gens qui n'ont pas regardé le début du témoignage de Youssouf Joly Touré, le monsieur il a commencé tout d'abord avant les événements, avant la prise du pouvoir par le CNDD. Mais aussi, il a parlé des faits qui étaient jusqu'à présent cachés au monde entier, mais ce dernier a bien développé les choses. Donc maintenant, beaucoup de gens commencent à avoir clair dans cette affaire. Beaucoup de témoins ont passé à la barre, mais ce dernier, il a apporté des précisions dans ce qui s'est passé avant et après les événements du 28 septembre 2009. Et les avocats des personnes accusées dans cette affaire, hier, l'avocat du docteur Chérif Diaby, lui, a demandé au tribunal une expertise médicale faite pour voir si ce dernier, le témoin Youssouf Joly Touré, a toutes ses facultés mentales. La demande, comme vous le savez, est naturellement rejeté par le tribunal, mais aussi les avocats de la partie civile, du parquet, mais la demande de l'avocat n'a pas du tout abouti, car selon le parquet, M. Youssouf Joly Touré n'a au fait manifesté aucun déséquilibre mental. Selon Maître Desba, lui, il a quand même juste l'avocat à sa place. Selon Maître Desba, l'avocat est complètement paniqué, car selon l'avocat, l'autre partie sont perdus parce qu'ils savent que réellement tout ce que M. Joly Touré a dit à la barre a du sens. Et je vous laisse d'abord écouter la demande de l'avocat, mais aussi après, on va apporter juste la conclusion. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, je vais profiter de votre patience que vous allez m'accorder et je souhaite exposer une demande. En attendant l'examen de cette demande que je vais vous présenter tout à l'heure, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des questions d'abord? Monsieur le Président, des questions. C'est le moment crucial parce que cela y va dans l'intérêt de la défense de mon client et face à Monsieur Youssouf Touré ici présent, cette demande est relative à sa déposition. Je suis une partie au procès, je sollicite une demande. Je vous ai demandé, vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que vous avez d'abord des questions? Je m'abstiendrai pour le moment. C'est suite à l'examen de ma demande que je viendrai, serai effectivement l'opportunité de poser des questions à M. Youssouf Touré. Allez-y alors. Bien. Merci M. le Président. M. le Président, je commencerai tout d'abord à rappeler que M. Youssouf Touré, ici présent, en qualité de témoin, a fait l'objet d'une condamnation par décision judiciaire rendue par le tribunal de première instance. Allez-y avec la demande, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ça y va dedans.
Si vous ne partez pas avec la demande, je serai obligé de vous retirer la parole. Vous voulez faire une demande, allez-y. C'est une demande, monsieur le président, que je viens. Allez-y avec la demande, s'il vous plaît. D'accord. Ne tergiversez pas. Alors, monsieur le président, j'ai écouté avec intérêt depuis la première déposition de monsieur Youssouf Touré ici à cette barre concernant les événements du 28 septembre. Et les questions différentes respectivement à lui poser, les différentes réponses qu'il a données. Monsieur le président, je m'en vais dire à ce niveau que monsieur Youssouf Touré, par rapport à la défense de colonel Abdoulaye Chérif Diaby, j'émets un doute quant à la capacité de ses facultés mentales. S'il vous plaît, c'est allez-y. Pourquoi une... ça fait la deux... S'il vous plaît. Monsieur le président. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Ça fait la deuxième fois. Tout ce que monsieur Youssouf Touré, qui comparaît ici en tant que témoin, est en train de dire, c'est au tribunal d'apprécier. D'accord. Si vous avez des suggestions à faire, attendez dans votre plaidoirie, bien sûr, vous aurez tout le temps de dire tout ce que vous avez sur les déclarations du témoin. Mais pour le moment, c'est la phase des questions. Vous avez une demande, je vous laisse faire la demande. Allez-y directement avec votre demande. D'accord. Comme il a dit ainsi, monsieur le président, sur le fondement des dispositions des articles 258, 259, 260 et suivants du Code de procédure pénale, avec votre permission, je m'en vais faire lecture du premier article. Bien. Section 10 de l'expertise, l'article 258. Toute juridiction d'instruction ou de jugement, comme la vôtre, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir posées à l'expert. Monsieur le Président, avant de continuer sur les dispositions suivantes, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a la nécessité de connaître l'état mental de M. Youssouf Touré. Et puisque votre juridiction, les parties ici présentes, en l'occurrence le parquet, les parties civiles, la défense, nous ne sommes pas des experts en la matière pour apprécier l'état de santé mentale de Youssouf Touré. Il faut un expert. Et puisque c'est vous qui avez l'impérium, la possibilité de désigner un expert en la matière, nous estimons, en tout cas, pour la défense de colonel Diaby, en tout cas, pour les questions qui pourront être posées à Youssouf Touré, je souhaite que cette question technique soit réglée par une décision avant dit droit, commettre un expert pour connaître l'état de santé mentale de Youssouf Touré, pour des raisons très simples. Depuis le début de ses déclarations, en passant par des questions-réponses, Youssouf Touré, ici présent, monsieur le président, est en train de vous présenter des incohérences inédites, des balivernes, des propos sans intérêt, sans vérité, au point d'être confus aujourd'hui, non seulement l'opinion nationale, mais l'opinion internationale, quand à la véracité de ses propos. Nous vous prions, et je vous prie respectueusement, monsieur le président, d'apprécier cette demande en commettant un expert par un jugement. Avant du droit, cet expert, lorsqu'il va vous présenter un rapport médical, je précise que cet expert, vous n'êtes pas tenu obligé que l'intéressé soit sur la liste des experts médecins, comme le prévoit l'article 259 du Code de procédure pénale. Vous pouvez directement exercer l'article 260 qui dispose. Bon, est-ce qu'on peut s'arrêter là parce qu'on connaît des... Je finis, on connaît des, s'il vous plaît. Je finis, s'il vous plaît, avec votre permission. Nous connaissons déjà votre demande. Oui, mais c'est important de le préciser. L'article 260. D'abord, 259, les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figure sur la liste nationale
dressée par la Cour suprême ou sur une liste ou sur une des listes dressées par les cours d'appel. Ils sont choisis sur des listes dressées par la Cour d'appel, le procureur général entendu. L'article 260, à titre exceptionnel, comme ça peut être le cas, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. Les modalités d'inscription sur ces listes et de radiation sont fixées par arrêté du ministre de la Justice. Monsieur le Président, votre décision quant à la situation mentale de Youssouf Touré s'avère nécessaire. En tout cas, à mon point de vue, c'est une demande imparable. Votre juridiction, je vous la soumets avec humilité, avec respect et avec confiance. En attendant cet examen de cette demande, je m'abstiendrai à poser des questions à Youssouf Touré que je qualifie d'incapable. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Touré, asseyez-vous. Ministère public, sur la demande, si vous avez quelque chose à dire. Merci, Monsieur le Président. Nous venons de suivre la demande formulée par le conseil du colonel Abdullah Chérif Diaby relativement à ce qu'il a appelé l'état mental de M. Youssouf Touré dit Joly. En demandant à votre juridiction de commettre un expert à l'effet d'examiner l'état mental de M. Youssouf Touré. Et ce, sur les fondements des dispositions des articles 259, 258 d'abord, 259 et 260. Dans son développement, Monsieur le Président, ce que j'ai retenu, c'est que les déclarations de Monsieur Youssouf Touré, à ses yeux, sont incohérentes. Donc, du début de sa narration jusque-là, ces déclarations, au dire du Conseil, sont incohérentes. Monsieur le Président, cette demande est sans objet. Elle est sans objet parce que, comme vous le rappelez à tout moment, les questions, c'est nous les parties qui les posons, mais les réponses sont pour le tribunal. Il aurait fallu à l'avocat concerné d'attendre lors de sa plaidoirie pour vous dire que tout ce que M. Youssouf Touré dit Joly a fait ici est sans objet. Mieux, M. le Président, le témoin qui comparaît n'a à date manifesté aucun signe, je m'excuse, de démence pour arriver à la conclusion que c'est un aliéné mental pour lequel votre juridiction devait commettre un expert à l'effet d'examiner son état psychique afin de voir la quintessence de ce qu'il nous dit par rapport aux faits pour lesquels les accusés comparaissent à la barre de votre tribunal. Donc, Monsieur le Président, j'ai dit que la question est sans objet et la conséquence que nous voudrions que vous tirez, c'est de la rejeter purement et simplement et vous ordonner la continuation de la déposition du témoin qui comparaît à la barre de votre tribunal. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je crois que la panique s'est emparée de la défense du colonel. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, d'abord, l'article qu'il a cité, c'est une faculté. Ça, c'est le premier point à relever. Deuxièmement, Monsieur le Président, en tout cas, de notre point de vue, M. Touré n'a manifesté aucun trouble ici. Il n'a insulté personne. Il ne s'est pas trompé les différentes portes pour accéder à cette salle. Et c'est un père de famille qui a une famille. Dans son quartier, il n'y a jamais eu une quelconque plainte d'un quelconque citoyen faisant état d'un trouble mental dont il aurait manifesté. Monsieur le Président, moi je pense que on est en train de perdre du temps. Et parler d'incohérence, peut-être c'est à son niveau.
Nous, tout ce que M. Touré vient de déclarer ici a une cohérence certaine. Son récit ne souffre d'aucune ambiguïté. Maintenant, si ce récit-là embête la défense du colonel, mais cela ne nous intéresse pas. Monsieur le Président, cette demande est sans objet et n'a aucun aspect, ne peut apporter aucun élément dans ce débat. C'est pourquoi nous sollicitons respectueusement qu'il vous plaise rejeter cette demande et surtout continuer l'audition de M. Youssouf Touré à cette barre qui a apporté tellement d'éléments à cette affaire que nous nous réjouissons. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le tribunal va délibérer. Voilà, après avoir délibéré, le tribunal rejette cette demande et ordonne la continuation de l'audition, de la déposition du témoin. Monsieur Touré. Voilà, voilà. Vous avez vu la face-à-face entre les deux. C'est la première épisode. Il y aura d'autres épisodes dont aussi on va analyser. Selon vous, comment vous avez compris la face-à-face entre ces deux personne, mettez en commentaire et prochainement je vais afficher vos commentaires dans notre prochain épisode et puis répondre aussi aux commentaires que les personnes ont laissés sur la vidéo.